Aujourd'hui, je vais vous parler du roman intitulé « Dans le grand cercle du monde » de Joseph Boyden. Salut, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de Laurent Goutan. Le récit se déroule au XVIIe siècle, dans les Amériques, dans ce qu'on appelle actuellement le Canada. Et on y rencontre tour à tour une jeune indienne qui a tout perdu, sa famille, sa tribu, un chef indien d'une tribu ennemie qui est à l'origine du massacre et un missionnaire français pétri de bonnes intentions qui est parti convertir ces bons sauvages. Dès le début, j'ai été prise de sympathie pour la jeune indienne. J'ai eu une certaine antipathie pour le chef indien et une totale aversion pour le missionnaire français. La force de l'écriture, la subtilité, l'intelligence de Joseph Boyden ont eu raison de mes préjugés. Au final, j'ai trouvé que ce roman était un roman universel qui parle du sens et de l'origine du monde. Je dirais même qu'il fait partie du top 10 de mes romans les préférés de toute ma vie. N'hésitez pas à faire des commentaires sur cette vidéo et la partager. Bonne lecture.